Le coup de com' de Marine Le Pen n'a pas plu au Louvre. Samedi, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle 2022 a publié une vidéo tournée dans la cour du musée parisien. C'est ce lieu qu'avait choisi Emmanuel Macron comme théâtre de son discours au soir de son élection en 2017. 5 ans plus tard, l'ancienne perdante du scrutin déambule face au Louvre, lieu mythique qui symbolise la continuité de la France, dit-elle, afin d'y délivrer, selon ses termes, un message de mobilisation et d'espoir. Des poursuites judiciaires. Le musée du Louvre s'est indigné dans la foulée de cette vidéo de campagne, filmée mardi, sans aucune autorisation du musée, en violation des règles de droit, sur les domaines publics. L'établissement public du musée du Louvre, qui n'a pas répondu aux sollicitations de 20 minutes, a confié à BFM TV étudier les suites qui pourraient être données quant aux conditions de ce tournage et de diffusion de cette vidéo.